contre Trump, 0 Biden. 3 quoi, Big Fury? À 3 comptés, 3 comptés, tu veux dire? 4 Trump, attends, tu parles de quoi? Oh, Big Fury, là, il me donne des infos là, mais. 5 Trump, de quoi tu parles, Big Fury? De quoi tu parles? Il y a moins de 3000 voix d'avance pour Clinton en 2016, le New Hampshire. Ouh, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Oh là 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 là. Il compte les Trump. Décompté. Ouais, mais décompté où ça? Et c'est décompté quoi? 16 mois ou 24 mois aussi? Parce que si c'est décompté 18 mois ou si c'est décompté 24 mois, c'est pas pareil. Il y en a qui sont plus salés que d'autres. Niveau décompté. Et si c'est un compté fruité, ça change tout encore. Franchement. Très important, hein. Faut en parler, hein. Faut pas assez décompter, moi, je trouve. J'aime l'humour. Moi aussi. J'aimerais bien acheter à Fiora. Oh, finis-moi un Yasuo Elu, s'il vous plaît, quoi. Ah, je suis trop chaud en vrai là. Ah, ça me déçoit tellement, quoi. Je vais avoir des thunes là, je prends panique. Hein. Panique. Parlons de Kenny. Oui, d'ailleurs, Kenny West, il a combien de voix pour l'instant? 1h30, première. Ouais, Georges, il y a 1h dans le monde de la question. Ouais, tendance. Ouais, je pense que César Arby l'a mis le plus intéressant, ouais. Je suis d'accord avec lui. Mais bon. C'est pas grave, on suit tout parce que c'est le beau jeu, quoi, je veux dire. Merde, merde, faut que j'achète. C'est le beau jeu, quoi, quand même. Je dis, nous, on est là pour le beau jeu, nous, dans cette élection. C'est le beau jeu avant tout ici. Mais c'est vrai que ouais, le New Hampshire, c'est presque serré au final, hein, le New Hampshire, hein, j'avoue. Presque serré, hein. Et en vrai, la meilleure carte, c'est le Fox News, en vrai. La carte de Fox News, elle est trop bien. Et giga bien la carte de Fox News, c'est la meilleure que j'ai trouvée, quoi. Kanye West, il a 0,2% des votes dans le Kentucky, 84 voix. Bon, je prends pas les élus, vas-y. Je sais pas ce que je vais jouer, mais. J'ai envie d'avoir mon Yasuo carry là pour l'instant et. Je peux pas jouer Elise avec Yasuo carry, c'est pas possible. Il met combien de temps les prix dans un état? Mec, ça dépend, chaque état est indépendant, quoi. Enfin, ça dépend de chaque état, mec. Fox News, c'est pro-Trump. Je sais bien, mais c'est le seul qui a une bonne infographie, quoi. Il n'y a aucun média qui est neutre aux États-Unis. Bon, tu me diras en France non plus. Donc bon. Bon, ce qui est normal, hein, c'est compliqué de demander à un être humain d'être neutre en soi. Il y a neutre et neutre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça me dérange pas que les médias soient pas neutres, tu vois. Je trouve ça humain, quoi. Je trouve ça. Moi, je trouve ça bien quand c'est clair, quoi, tu vois. Limite, c'est mieux, quoi. Genre. Qu'entre guillemets, chaque média est sa... ou chaque journaliste ait sa petite étiquette, quoi, entre guillemets. Quitte à ce que dans des médias, il y a des journalistes qui se pensent pas la même chose, quoi, tu vois. C'est encore plus intéressant, je trouve. Ah, j'ai gagné un fight. Ah, je vends tout, vas-y, nique. Alors. À l'heure actuelle. Tu vois, quand tu lis à l'heure actuelle, tu vois. Tu sais que tu lis pas un média de gauche, quoi. Tu sais que Non, mais pour les journaux, il y a moins ce problème en vrai. Tu regardes la map de Fox News. Ouais. Non, mais il y a des journaux où y a... c'est plus pour la télé en général, quand même. C'est vrai, Silaino, c'est vrai, c'est vrai. Alors,
Voilà, et on a des nouveaux résultats et on arrive à 68, pour l'instant 68,2% des votes pour Trump pour l'instant. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, j'aime bien donner des chiffres anxiogènes. Comptez sur moi pour être anxiogène ce soir, les gars. Je vais donner plein de chiffres anxiogènes toute la soirée, quoi. Ça va être super, d'ailleurs. Merci beaucoup, 24 Baker, merci beaucoup. Comptez sur moi pour être super anxiogène ce soir, les amis. J'ai toujours un talent IE la Whisper. La flemme de jouer autre chose là. Qui connaît les la coach et les bookmakers anglais? Bon, je l'avais tout à l'heure, mais je l'ai viré. Yep. Bonne soirée, Iberka. T'as une chaîne perso tant que j'aime bien et pas les autres, c'est pas très gentil. Non, mais si tu vois, Armateam, c'est ma boîte. Donc en fait, c'est ma chaîne perso celle-là déjà. Mais ils sont très sympas les autres aussi. Tu dois leur laisser leur chance. Je suis ma petite Iolas Whisper, ça va être incroyable tout à l'heure. Ah oui, apparemment, on me dit que Yann Barthès aurait été placé sous respirateur, apparemment. Et ce serait pas à cause du Covid. C'est une info qui vient de tomber dans l'heure des pros avec Pascal Pro. Voilà. Donc je sais pas exactement à prendre avec des pincettes du coup, mais bah, c'est quand même une info intéressante, je trouve, quoi. C'est quand même... Kentucky Biden. Mais arrêtez de dire que c'est pour un état, il y a 1% des trucs qui ont été dépouillés, putain, vous rendez ouf, quoi. J'ai l'impression qu'on est avec des maternelles, quoi. Ces bâtards, ils écrivent Kentucky Biden. Alors que, genre, je vois qu'il y a pas mal de votes quand même là déjà. Fabien. Il y a 6% des votes dépouillés, bande de bâtards, quoi. T'es au rendez-vous, quoi. Ça tire sur Yann Barthès. Ce que l'histoire de Yann Barthès, c'est qu'en 2016, il avait fait un stream live. Enfin, un stream, non, il avait fait une émission live toute la nuit. Et il avait chialé quand Trump avait gagné à la fin. Parce qu'il était vachement pro-Clinton. Voilà. Tout simplement. Oh, ils viennent de rentrer plein de votes là. Donc là, c'est passé à, pour l'instant, sur tous les votes enregistrés, 51,6% pour Trump et 46,8% pour Biden pour l'instant. Il y a quasi égalité là pour l'instant dans les votes dépouillés. Bon, ouais, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. On est content quand même, quoi. Faut bien s'occuper, hein, on va stream tard, mais. Comment on suit? Bah sur Twitter, sur les sites ou sur les chaînes de télé américaines. Voilà. Mais moi je suis sur la carte de Fox News, elle est vraiment broken, quoi. Genre elle est mieux que celle de Google en vrai. Genre elle se met à jour plus vite. Surtout elle se rafraîchit toute seule surtout. J'aime bien cette map. Après dans Google ça va vite aussi, j'avoue. Oh la spat elle rend ouf, elle est dégueulasse, quoi. La spat elle est trop naze. Ça se joue encore au Wukong Divine 3? Non. Non, mais c'est jamais Vayne et Lucharpe. Si, en early je la prends quasiment tout le temps. Si si si. You are fake news. C'est pas dueliste, on va pas jouer dueliste. On me dit que Dimitri Payet ne serait pas élu en Virginie, apparemment. Apparemment Dimitri Payet ne serait pas élu en Virginie, apparemment. Mais ouais, l'infographie de Fox News c'est la meilleure que j'ai vue pour l'instant. Le Kentucky est passé pour Joe Biden. C'est pas encore, pas encore. Il y a que 7% des votes qui ont été reportés pour l'instant. Ouais, bah, pourtant il s'était mis à consommer beaucoup de Big Mac, hein, pourtant.
Kanye West est recandidat. Oui. Merci beaucoup, Peanuts. Merci beaucoup. Nice. Ouais, j'aimerais avoir un quatrième duelliste pour tenir quoi. Ah, ça dégoûte de pas trouver de duelliste quoi. Trouver un Jax, mais ça coûte cher tout ça. Ça coûte un pognon de dingue en vrai cette game. Je crois que je dois. Ça, je merci beaucoup Super Choco, merci beaucoup. Merci beaucoup. En fonction de l'élu, je pourrais aussi jouer H en vrai, mais bon, avec le stuff que j'aime. C'est chaud quand même là. Alors. Super cochon. Ah oui, j'ai eu super. Ah, pardon, pardon, pardon. Oh, oh. Apparemment, la Randox, il voit Yavatar pour Donald Trump auparavant. Hein. Merci beaucoup pour les 3 abonnements offerts, mec. Pour Donald Trump. Merci beaucoup, mec. C'est serré dans le Kentucky. Mais je crois que le Kentucky, c'est vraiment pas un truc à suivre, je crois. Hein, il me semble. Kentucky, genre c'est close game quoi, je crois. J'aurais pu rentrer ça en vrai. Ah putain, j'ai pas vu que j'avais une Kindred Elu Hunter. Oh, ah, j'avoue, c'est Hunter en fait. Plutôt, je pense. J'avoue, j'ai pas vu la Kindred. Ah ouais, en fait, je vais genre pivot Kindred en vrai, c'est sûr là. J'avais pas vu la Kindred en vrai. J'étais concentré sur ma carte et sur les subs offerts. Désolé. Vous savez, des fois, on est concentré sur autre chose que le jeu. Oh, il y a une hache en plus. Oh, il va prendre hache ce bâtard, c'est sûr. Alors, foiré quoi. Je me fais c'est pas de bois du coup. Vas-y, go. Alors. C'est un Mega Ragnaros. Incroyable. Tada. Ah mais j'ai deux talons putain. Ah. Ah mais j'ai un élu de ouf en vrai. C'est important les élus. Après j'ai pu rentrer la Kindred d'élu cela dit d'ailleurs. J'ai un peu mongolisé mais. Lui il a H2 déjà, il a 4H déjà. Ouais non j'avoue il a 4H quand même. Ça fait chier, il a 4H, vous vous rendez compte ou pas? Ah, il a 4H, je vais jamais trouver H en vrai. Non vas-y nique sa mère hein. J'ai deux talents, je reste talent vas-y. Non par contre le problème c'est que du coup ça va coûter cher ces conneries quoi. C'est pas mal ça en vrai. Alors. Est-ce que je garde le bike toute la game? T'es mal parti cette game? Non, ça va, ça va. Faut juste terminer si je garde le bike toute la game ou pas quoi. Qui est en tête pour l'instant? Pour l'instant, c'est dur de. C'est dur à dire pour l'instant. Alors.
Non, mais normalement, l'Indiana et le Kentucky, ça devrait être gagné par Trump, normalement. Sinon, c'est qu'il y a en haut ici, non. Tu joues quoi pour comeback? Une baguette et talon 2, quoi. Le Kentucky, franchement, c'est censé rester pour le Donald. Sinon c'est qui en bruit, quoi. Faudrait une spat assassin, en fait, là. J'ai déjà eu beaucoup de... Qu'est-ce qui est Farnax value, quand même? 100% Indiana et Kentucky égale Trump. Non, mais c'est sûr, en vrai. C'est 25 minutes la fermeture des votes. En fait, chaque état ferme différemment. Hein. C'est une question de décalage horaire, en fait. Donc là, il y en a qui ont fermé à minuit, à 1h, il y en a qui m'ont refermé aussi. Ceux qui ferment à 1h du matin, il y en a des super intéressants pour nous. Oh yes, j'ai eu gant. J'ai joué 4 assassins, je pense. Ok. Nice, pas mal. Ok, le défaut de l'opération. C'est que j'ai pas d'item incroyable pour Morgana. Il prend la tire, lui, c'est sûr. Il prend le cœur GL, lui, c'est sûr en vrai, non? Je pense, mais j'ai un peu de temps à lui mettre là. On va jouer 4 à ça, je pense. Alors. Comment ça commence le décompte des votes? Ça a déjà commencé là. Si tu veux, les États-Unis c'est grand donc il y a plusieurs fuseaux horaires quoi. Donc ils votent pas tous en même temps. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. On va essayer de sauver ma game, faut talon 2 en vrai, sinon c'est mort quoi. C'est la merde. Ah, c'est la merde. Putain, j'ai les deux talons facilement, après c'était la giga merde quoi, c'est dommage. C'est la giga merde là. C'est clairement calé sur Morgana. Non. Bah alors clairement pas. Ça paye de forcer une compo. Rarement. En tout cas sur un grand échantillon de game, ça payera pas de forcer une compo quoi. Ah, ça va être dur à sans le Morello sur... sur Morgana quoi, faut vraiment choper le Morello sur Morgue quoi. C'est giga important quoi. Tu comeback sans avec talent. C'est une bonne compo de comeback mais là c'est chaud quand même. Rah, il faudrait que je trouve mes upgrades mais ça va être dur là quand même. Hein. Bizarre que la Russie n'ait pas leak un dossier sur Biden. Il y a eu plein de trucs sur le fils de Biden. Il y a eu plein de trucs sur Biden. Après, ouais, personne n'a parlé de la Russie ce coup-ci, par contre. Il me semble. Franchement, avec Talon 2, je peux me mettre bien. Hein. Merci beaucoup. Attends, j'arrive 2 secondes. Là, j'ai trouvé 0 pike aussi. Merci beaucoup, Tugududre. Merci beaucoup, Tugudud. Merde. Merci beaucoup pour l'abonnement. Il y avait des belles choses, mais bon. Je suis un peu obligé de prendre la baguette là quand même. Combien de votes pour l'instant? Pour l'instant, faut se calmer. Il y a seulement 300 000 votes, 300 000 bulletins qui ont été dépouillés officiellement pour l'instant. Pour le moment, faut se calmer pour l'instant. Et là, donc, dans 20 minutes, les états très importants vont fermer leurs portes là. Vas-y, je roll down. Je prends pas les pikes du coup, hein, c'est trop chaud maintenant. Ouais. Tu penses que les rayons de la 5G peuvent influencer les votes?
Bah, en tout cas, moi je pense que c'est possible à mon avis. Hein. Moi, à mon avis, c'est giga possible à mon avis. C'est sûr en fait, c'est sûr. C'est sûr à 100% en fait. Level 8, tu rentres qui du coup? Mec, je serai jamais level 8 dans cette game là. J'avais fait une bonne session et après, turbo doom. De toute façon, c'est ça. Depuis que Payet a raté son penalty, je full lose quoi. Alors, je dis pas que c'est la faute de ce bâtard de Payet, mais. Vous m'avez compris quoi. En temps normal, bah, en vrai, c'est rare que je joue cette compo avec 4 assassins là. Mais là, si je pouvais passer vite, j'entrerais Yone là. En soi. Il nous a mis dans la sauce algérienne. Ah, il était terrible quoi. Oh là là. D'accord, le début de la nuit américaine. Bah, ça a commencé là. Hein. C'est juste que. Bah, il est encore un peu tôt là-bas quoi pour avoir. On n'est pas encore dans le vif du sujet quoi. On va dire. Là, on va dire que c'est les états obvious qui sont en train de voter là. Les états obvious sont en train de voter. Mais en sachant que ça va très très vite s'exciter normalement. Ça va très très vite s'exciter vers 1h du matin. Ah, salut la bubule divine, ça va. Allez. Dommage. T'as la force du maillot. Ta-ta-ta. Sacré paillette. La nuit méritante, ça va et toi, ça va, ça va. New Hampshire et Indiana pour Trump. Oui, mais ça c'était sûr ça. Y avait aucun doute. Non, New Hampshire c'est pas sûr. Non, New Hampshire c'est pas fait du tout. Non. C'est Indiana et Kentucky, ça va go Trump, c'est sûr. New Hampshire pour l'instant, Trump est devant, mais il y a que 26 bulletins qui ont été dépouillés. Donc bon. Je te laisse imaginer que 26 bulletins c'est pas ouf quoi. C'est cool la BT en vrai. Kentucky Biden est devant là. Oui mais il va perdre c'est sûr. La plupart des états en vrai c'est de jouer d'avance quoi les votes. Parce qu'il y a une sociologie qui fait qu'on connaît déjà les résultats quoi. Il y a qu'en France où une élection ça vote à droite et l'autre élection ça vote socialiste quoi. Et d'un coup tous les états de la côte est sont s'allumer en bleu pour Biden. Vu que la plupart des états à l'est ils votent quand même Biden, toute la côte quoi. Allez, il troll ce bâtard de talent vous avez vu. Franchement j'ai eu les deux trop vite, en plus j'ai misé toute ma game sur Talon 2 en vrai. Après faut que j'arrête de faire des early de merde. Je fais que des early de merde depuis tout à l'heure là, c'est terrible. Focus aussi. Je suis pour Trump Talk, moi je suis pour le beau jeu moi. Moi je suis pour le beau jeu et je veux qu'on ait du spectacle quoi. Moi je veux qu'on ait du spectacle ce soir moi. Et je veux pas avoir fait une nuit blanche pour rien quoi. Je sens que Trump va se tomber Biden. Franchement, c'est improbable de ouf que Trump y gagne quoi. Genre, c'est giga improbable quoi. C'est pas impossible, mais c'est giga improbable quoi. Je vais suivre le Twitter de Trump d'ailleurs, tiens. Est-ce qu'on a des nouvelles de Trump sur Twitter? Parce que eux, ils ont pas de devoir de réserve en plus, hein. Ils peuvent tweeter comme ils veulent quoi. Alors, Trump, tweet de Trump il y a 28 minutes. We are looking really good all over the country. Thank you. C'est n'importe quoi, quel pays incroyable, quoi. Non, putain, c'est trop.
C'est tellement la clown fiesta ce pays quoi. Je suis en giga stress. Moi j'ai zéro stress, j'en ai rien à foutre de qui gagne quoi. Je veux du spectacle moi. Il est rigolo Trump, j'ai presque. Bah, c'est vrai que Trump il est plus drôle que Biden quoi. Mais bon. Voilà. Tata. Alors. Tant que je veux du sang. Ah oh, ouais, je veux du sang, moi. Ah, pas au sens littéral du terme, mais. Moi, je veux du spectacle, quoi. Un combat de gladiateur, quoi, je veux. De gladiateur. Pas de gladiateur. Elle giga pue cette game, quand même, hein. Ouais, ça pue. T'as vu le tweet de Trump sur YMCA? YMCA, ouais, je l'ai tweeté. Je l'ai tweeté aussi. Ta-da-da-da, ta-da. Il y a eu plein de résultats d'un coup et là ils sont en train de full stack quoi. Je suis sûr ils sont en train de manger des burgers 100% là. Non mais là normalement entre 1h et 2h ça va. Oh. Entre 1h et 2h ça va commencer à devenir sportif normalement là. Ouais, courant de l'Irelia Tanki, elle est bien. Ça me plaît comme ça. Tac, tac, tac. Alors. Oula, mon talent s'est fait OS par la hache. Par contre, la Morgana a fait un ulti incroyable. What? Ma Morgana a OS toute sa team quoi. Et Morgana c'est giga broken, c'est incroyable quoi. What? What? Faudrait quand même que je level up maintenant. Et vous savez que je vais peut-être top 4 avec mon setup de merde là. Tu gères le justificatif pour pas aller au boulot demain ou faut que j'aille dormir? Mec, tu dis que t'es qu'à contact. C'est le mot magique. Demain t'appelles ton bureau. Tu dis désolé, je suis qu'à contact. Et voilà. Tu dis ma compagne. Est contaminé. Franchement, c'est free hello quoi. Free hello. Non, encore mieux, tu dis que t'as eu une alerte sur tous anti-Covid. Non, encore mieux quoi. Tu dis tous anti-Covid, mais que j'étais qu'à contact. C'est le mot magique qu'à contact, je vous promets. Hein. Ça marche à tous les coups. Hein. Vous dites à Macron, vous êtes qu'à contact, Macron il vous ouvre direct les caisses de l'assurance maladie quoi. Il arrive, il est comme ça Macron, il hop, il vous ouvre les caisses. Et pour l'instant il y a Bruno Le Maire qui se taille les veines à côté pour l'instant. C'est bien Zeki en vrai. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on sache qui va déclencher la guerre civile. Je vais faire top 4, peut-être. C'est bien. Ça fait plaisir, ça. Non, mais en vrai, le sang va commencer à couler quand. Ça va commencer à péter un câble quand la Floride va arriver là. Ça va commencer à être du vrai spectacle là. Quand la Floride va arriver là, ça va être. Ça va être du sport. Hein. Parce que la Floride, c'est là que tout se passe. Hein. La Floride, c'est le beau jeu. Hein. Dans un certain défi de la purge aux USA. J'avoue. J'ai tout level 2 finalement. Alors que je suis level 7. Non, mais ça, quand ça va commencer à contester les résultats en Floride, ça va être incroyable normalement là. Genre, il faut attendre le tweet de Trump qui commence à dire qu'il y a des trucs louches en Floride, quoi.
Quand Trump annonce qu'il y a des trucs louches qui se passent en Floride, c'est que ça commence à devenir intéressant. En attendant, c'est l'échauffement quoi. Je les défonce tous quoi, putain. Attends, mais je vais me top 1 ça se trouve, hein. Imagine un peu. Floride, Texas, ça va essayer l'élection. Non, Texas, non. Genre. Si Trump perd le Texas, genre. C'est qu'il a perdu plein d'autres trucs à côté en vrai. Hein. Normalement, le Texas, ça va rester quand même tranquille pour Trump en vrai. Même si ça se resserre de plus en plus, quoi, tu vois. Mais... Genre, s'il perd le Texas, de toute façon. Alors. Et ouais, Trump, il a commencé à... Son Trump a dit. Il a dit, si je perds, c'est forcément que quelqu'un a triché. Allô? Bon, ouais, je passerai jamais. Putain, je voulais économiser encore un tour, mais il y avait une Cassio 3, dommage. Adieu. Oh, petit tape sur la CGU Annie Brumblevest, quoi. Adieu. Wouah. Non, la Cassio 3, c'est trop en vrai, c'est chaud, quoi. Il y a un monde où je. Non, je suis mort là. Bon, bah, malheureusement, je vais faire top 4. On a failli gratter mieux, mais j'avoue que Cassio 3, c'était trop pour moi là, quand même. C'était trop, quoi. Il est énervé la raquette qui est prête. C'est vrai.